Alors, je vous disais que donc mon métier, le cœur de mon métier actuel, parce qu'avec toutes les fonctions que j'ai exercées dans ma carrière, c'est mon 9e poste exactement. J'ai fait des choses extrêmement différentes, et notamment le parquet, c'est une fonction extrêmement variée, puisque en matière pénale, nous intervenons depuis le début du commencement d'une affaire jusqu'à la fin, puisque c'est nous qui assurons l'exécution de la peine. Hein, il y a la direction de l'enquête quand c'est en flagrant délit ou en enquête préliminaire. Après, on suit une instruction s'il y en a une. Je vous rappelle au passage que je ne sais pas si vous savez que les juges d'instruction interviennent dans un peu moins de 5% des affaires pénales, c'est-à-dire 4%, même 3,5%. Enfin, il y a très très peu d'affaires qui passent par le juge d'instruction. Tout le reste du pénal sont des poursuites faites par le parquet, voire par les parties civiles, lorsqu'ils font des citations directes comme en matière de presse. Mais ça, c'est quelque chose de plus rare. Mais en tout cas, les juges d'instruction interviennent évidemment systématiquement en matière criminelle et pour des affaires complexes comme des trafics de drogue, des affaires économiques et financières compliquées, etc. Alors, actuellement, donc, je vous disais, spécialisation au parquet général de Paris, je ne vais qu'aux audiences de cour d'assises, sauf l'été où, quand je suis de permanence, je vais à la chambre correctionnelle, puisqu'on se remplace les uns et les autres, parce qu'il n'y a pas de cour d'assises en juillet et en août pour ne pas faire venir de jurés, parce qu'on a déjà un peu de mal à trouver des jurés pendant l'année. Alors, pendant les grandes vacances, ce sera encore plus difficile. Alors, pour moi, préparation des dossiers et puis assistance à l'audience, qui sont un peu moins nombreux. Je crois que j'entends du bruit. Et sinon, j'organise, puisque je suis le chef de service, c'est moi par exemple qui répartis les avocats généraux dans toutes les audiences d'assises. Alors c'est un peu comme vous avez un proviseur au lycée qui organise l'emploi du temps des profs de français, de philo, de maths, d'histoire, etc. Puis pareil, à la fac, on sait que dans l'amphi numéro temps, il y aura un cours de droit civil ce jour-là, puis un cours de droit commercial après. C'est exactement pareil, ça fonctionne comme ça. On sait que dans telle salle d'audience, on prépare longtemps à l'avance la tenue d'un procès selon un certain nombre de critères. On sait que ça va être long parce qu'il y a beaucoup d'accusés, ou alors il y a beaucoup de faits, il y a beaucoup de victimes, etc. Il y a plein de choses extrêmement différentes à prendre en considération. Donc, c'est la direction d'un service, comme ça existe dans tous les lieux de travail. Là, je l'ai comparé à l'université, ça pourrait être comme dans un hôpital. Voilà. Sauf que un directeur d'hôpital, par exemple, il n'est pas médecin, alors que moi, je suis à la fois le patron d'un service et je travaille dans ce service comme étant l'un des, pas des médecins, des chirurgiens, mais je travaille pas au bloc opératoire, mais dans la salle d'audience. Donc, si vous voulez, j'ai deux phases de mon métier actuel, l'organisation du service et puis la cour d'assises. Alors, je ne sais pas trop comment vous voulez que l'on fasse. J'ai eu un certain nombre de questions qui m'ont été transmises, un peu au débotté. Je crois que j'ai répondu à la première sur mon prénom, mon nom, ma formation. Alors, ma formation, elle est issue du concours de l'ENM. Je suis resté à l'école à l'époque, ça durait 2 ans et non pas 2 ans et demi comme maintenant, où j'ai fait ma formation d'auditeur de justice, comme tous les magistrats. J'étais à Bordeaux au début à l'école. Ensuite, j'ai fait un grand stage, le long stage juridictionnel dans un tribunal. Et puis après, je me suis spécialisé dans ma première fonction, puisque j'ai été nommé au parquet en premier. À la suite, on choisit notre poste en fin de scolarité grâce à un classement qui résulte des notes qu'on a eues à l'école et d'un examen de classement. Voilà. Alors, est-ce que je me dirigeais vers le métier que je rêvais de faire quand j'étais enfant? Alors, j'ai voulu faire ce métier-là quand j'étais adolescent, en assistant à une cour d'assises un peu par hasard. C'était le père d'un de mes copains qui avait été juré, qui nous avait dit d'aller nous distraire à la cour d'assises pour apprendre quelque chose. Et effectivement, j'ai trouvé ça bien, donc j'ai voulu faire ce métier-là en assistant à une audience. Alors peut-être que ça peut être votre cas aussi. Alors, on me demande si j'étais plutôt un bon élève à l'école ou pas du tout. Alors, par exemple, j'étais totalement nul en maths, mais ça n'a aucun intérêt, mais
c'est un état de fait. J'ai un bac littéraire et ça allait plutôt bien en français, en philo, dans les langues étrangères, en histoire, ce qui correspond plutôt à l'ouverture vers le droit, vers les sciences humaines. Alors, mon parcours à l'université, c'est pas trop mal passé, mais comme beaucoup, j'ai redoublé ma première année de droit. Bah, vous voyez que ça arrive et j'ai eu le concours la deuxième fois. Je l'ai passé deux fois. On a le droit à trois. Alors, quelle formation je recommande pour parvenir au métier de magistrat? Ben, d'abord, une formation juridique générale, évidemment plutôt orientée vers le droit privé, principalement le droit civil et le droit pénal. Il y a des épreuves, vous connaissez peut-être le programme du concours est quand même très très chargé, très lourd, le concours est difficile. Alors, il faut impérativement achever sa formation universitaire parce qu'on le passe au et tous les étudiants le passent deux. Et le meilleur est de faire vraiment une préparation au concours. Alors, il y a plusieurs préparations. Il y a les préparations dans les universités, il y a des préparations privées, et puis il y a celle notamment de Sciences Po qui est connue pour avoir un certain nombre d'étudiants qui réussissent le concours grâce à cette préparation. Alors, on me demande de décrire une journée type. Alors, ça dépend si c'est une journée d'audience. La journée d'audience, c'est facile à savoir. Il suffit que j'aille dans la salle d'audience, le président ouvre la séance, et puis ensuite, il se passe ce que vous savez si vous avez déjà assisté à une audience. Et ce que je vous recommande chaudement, d'ailleurs, c'est d'assister à une audience. C'est très intéressant de voir comment on présente les faits en matière pénale, quelle est l'argumentation du ministère public, de l'accusation. L'argument de la défense, la façon dont le président pose les questions, puis vous aurez plein de personnalités différentes, vous avez autant de personnalités de président qu'il y a de président, des avocats qui font beaucoup d'effets de manche, qui sont des grands orateurs, des avocats qui ont une défense plus sobre, plus simple, mais tout existe et tout est possible, puisque chacun a la liberté de présenter sa défense comme il l'entend. Ensuite, une journée type pour quand je suis au bureau, bah, comme tout le monde dans un bureau, je réponds au téléphone, je lis un nombre considérable de mails auxquels il faut répondre. Enfin, là, j'ai pas besoin de vous dire ça, parce que c'est la même chose pour tout le monde. Et puis, j'ai quelquefois des gros dossiers dans lesquels je suis obligé quasiment de m'isoler pour pas qu'on me dérange, parce que c'est des dossiers dans lesquels j'ai besoin d'avoir une grande concentration. J'ai eu des dossiers de longue haleine. Comme, par exemple, en 2019, c'était moi l'avocat général, enfin l'un des deux, puisqu'on était deux, dans l'affaire Merah. Hein, c'est une affaire que vous connaissez tous, c'est une affaire terrorisme, à la suite des attentats qui avaient eu lieu à Toulouse en mars 2012. Et là, c'était un dossier très, très volumineux. Il a fallu que je travaille beaucoup et que je puisse trouver des moments d'isolement pour étudier un dossier qui était très, très conséquent, puisqu'il y avait 118 tomes de procédure. Donc, il faut tout regarder et essayer de que rien n'échappe. Alors, je continue les questions qui sont un peu au déboté, parce qu'elles ont été mises sans doute les unes après les autres, sans qu'il y ait de lien. On me demande si c'est un métier bouché. Alors, je ne pense pas que ce soit un métier bouché. La difficulté, c'est d'arriver à passer le concours. Bien sûr, une fois qu'on l'a passé, on est normalement assuré de passer toute sa carrière dans l'administration judiciaire, qui est une administration de l'État. Donc, à moins d'avoir une sanction disciplinaire, ce qui arrive parfois, des magistrats qui sont sanctionnés, comme il en existe dans tous les corps de métier, il peut y avoir des sanctions qui sont prononcées pour tel ou tel comportement qui ne correspond pas à la déontologie et la discipline des magistrats. Mais normalement, donc, une fois qu'on est rentré dans la magistrature, on doit d'abord 10 ans à l'État, on est obligé de rester au moins 10 ans, sinon on est obligé de rembourser les appointements qu'on a quand on est à l'école, puisqu'on est payé quand on est auditeur de justice, on doit 10 ans, et après on peut passer, comme c'est mon cas, on passe toute sa carrière dans la magistrature. Moi, avant d'être magistrat, j'étais étudiant en droit comme vous, c'était juste avant, mais il y a un peu plus longtemps que vous. Et sinon, une fois qu'on est, on fait une carrière. Alors, ce qui est important chez nous, c'est notamment, il y a un critère qui est important pour la carrière, c'est ce qu'on appelle la mobilité.
C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est la première fois que je suis en poste à Paris. Il y a 6 ans que je suis là. J'ai fait la moitié de ma carrière en province, dans plusieurs régions différentes. Et puis après, en Île-de-France, j'ai été à Versailles et à Évry. Vous voyez, donc c'est pas très loin. Mais sinon, j'ai été dans d'autres des villes de province. C'est bien parce qu'on découvre des lieux géographiques qu'on ne connaît pas et il y a une sociologie différente. On change quasiment de métier à chaque fois que, même s'il y a un fond commun, bien sûr. Le code pénal et le code de procédure pénale sont les deux coussins sur lesquels, enfin, je ne peux pas dire que je m'assois parce que je m'en sers, donc c'est mes deux accoudoirs. Je m'en sers depuis le début de ma carrière. C'est le même code pénal partout et le même code de procédure pénale partout. Donc, vous voyez, mes fonctions ont été extrêmement variées d'un endroit à l'autre selon le département dans lequel j'étais, dans la ville dans laquelle j'étais, le type de délinquance dans lequel j'étais. Voilà, c'est comme ça que l'on peut voir la richesse de notre métier. Alors, le fait que l'on pourrait dire qu'il est bouché, il est difficile d'accès, comme un certain nombre de concours qui existent dans la fonction publique. Là, il y a le concours commissaire de police, par exemple, qui est difficile parce qu'il y a très peu de postes. Et puis, le concours de la magistrature, il y a beaucoup de candidats. Il y en a à peu près un peu moins de 10% qui parvient à obtenir le concours. C'est un concours, donc c'est un classement des X meilleurs, puisque chaque année, il y a un nombre différent de personnes qui rentrent dans le cursus de la vie de magistrat. Alors, on me parle ensuite des avantages et inconvénients du métier. Alors, les avantages, c'est que je pense que c'est un métier qui nécessite quand même une certaine passion. Hein, je ne vais pas dire quand même une vocation, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est quand même un métier particulier que de rendre la justice, que prendre des décisions dans des moments qui sont difficiles. Hein, j'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie. J'ai affronté des situations difficiles. Vous avez annoncé la mort d'un enfant à ses parents. Vous avez allé sur les lieux d'une catastrophe, comme ça m'est déjà une catastrophe ferroviaire, comme ça m'est déjà arrivé. Voir des scènes de crime, voir et puis aussi là actuellement la cour d'assises, il y a beaucoup d'émotions aux audiences quand on voit les gens qui viennent lorsqu'ils ont perdu quelqu'un de leur famille. Il y a tout un endroit, c'est un haut lieu d'émotion. Vous voyez, j'ai jamais été juge des enfants, mais vous imaginez un juge des enfants qui prend une décision de placement d'enlever un petit enfant et le placer dans une institution ou une famille et qu'il le retire à ses parents. Vous voyez, il y a des situations qui humainement sont très très difficiles. Alors, je peux pas dire que ça soit un inconvénient. C'est le métier. Donc, on arrive à faire face aussi. Je ne fais pas de cauchemar la nuit parce que je ne vois que des affaires criminelles. Je pense à autre chose. Vous savez, j'ai des loisirs, une famille, j'aime bien voyager, lire, etc. Donc, par exemple, je lis très peu de romans policiers. Parce que comme j'en lis toute la journée pour le travail, en fait, il y a un de mes collègues qui définit notre métier d'avocat général à la cour d'assises en disant qu'on lit des polars et on fait du théâtre. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est toujours un peu le même style de pièce, mais voilà, c'est un rôle que l'on joue. Mais bien sûr que la différence, c'est que c'est pas un rôle dramatique, c'est un rôle réel. Alors, des inconvénients, il y en a certainement toujours. Il y a le fait que notre justice manque quand même de moyens. Elle est pas très, ça va beaucoup mieux que ça n'a pu être dans le début de ma carrière, mais il y a quand même encore des difficultés. On n'a pas assez de temps, de moyens, de personnel qui nous aide, etc. Il y a plein de, le problème de la justice, c'est qu'elle souffre de son manque de moyens. Donc, vous voyez que c'est toujours ce discours. Si je pourrais répondre à quelques questions sur ce sujet après, mais voilà, donc c'est principalement l'inconvénient que je vois de mon métier. Sinon, je ne regrette pas. Après toutes les années que j'ai passées dans les différents palais de justice que j'ai fréquentés. Alors, le métier de magistrat est effectivement prenant. Hein, il y a des moments où, comme je vous disais, quand je prépare un gros dossier, quand j'ai une audience qui dure 3-4 semaines, je suis allé jusqu'à 2 mois, c'est mon record de durée d'audience, on est complètement pris là-dedans, et donc là, on travaille beaucoup. C'est un domaine dans lequel on ne fait pas 30, 35 heures par semaine. On peut en faire beaucoup, même si on a une certaine liberté, à la fois d'horaire, sauf quand on est à l'audience, c'est les horaires de l'audience, mais sinon, l'organisation, elle est quand même assez libre. Mais
Sauf quand on a des contraintes, je ne sais pas, un magistrat du parquet, quand il est de permanence, bah, il est obligé d'être derrière son téléphone et de répondre aux appels des policiers et gendarmes pour les enquêtes. Ensuite, il y a les audiences qui peuvent durer très tard. Il y a des audiences qui sont très tardives le soir. Vous voyez, il y a des moments, et puis il y a plein de week-ends où je travaille. Vous voyez, c'est le week-end dernier, j'ai été obligé de travailler pour pouvoir m'avancer dans un certain nombre de choses concernant le service. Alors, les compétences que je pourrais vous conseiller pour développer plutôt durant vos études. Alors, là, je vois qu'il y a des questions qui apparaissent, mais alors, est-ce que je vais pouvoir. Ah oui, alors je vais avoir, n'est-ce pas, dur de tout connaître dans le sens où un magistrat peut traiter d'une rebelle. Ah oui, alors sur la spécialisation, je pourrais en parler après. Parce qu'on me pose des questions sur le côté. Je suis pas encore un adepte total de Zoom avec. En étant un peu à la ferme et au moulin, mais je peux répondre aux questions. Alors, cette question, n'est-ce pas dur de tout connaître, dans un sens où un magistrat dans sa carrière peut traiter du droit pénal, mais le civil, il y en a qui arrivent à se spécialiser, qui se spécialisent comme moi. Moi, je pense que je ne pourrais plus être dans le contentieux civil. J'ai fait du droit civil comme vous tous à la fac, mais je ne suis pas suffisamment. Comment dire, compétent pour pouvoir, sauf peut-être que je pourrais faire encore du droit de la famille, parce que je pourrais actualiser mes connaissances, mais il y a certains contentieux qui sont très très compliqués dans lesquels je ne pourrais pas. Mais c'est un bienfait, parce qu'il y a certains civilistes, par exemple, qui auraient horreur, comme moi, d'aller requérir aux assises. Vous voyez, le monde est bien fait, parce qu'il y en a pour tout le monde. Alors, les qualités que l'on demande à un magistrat, vous regardez, le concours porte notamment sur. Alors, il y a une matière qui est pas vraiment une matière, mais qui est un domaine très vaste, c'est ce qu'on appelle la culture générale. La culture générale, c'est l'acquisition de connaissances, les observations que l'on fait pendant toute sa vie avant de pouvoir être magistrat. C'est-à-dire, vous lisez, vous appréciez des choses, vous avez des connaissances sur les pays dans lesquels vous pouvez aller, sur la culture qui peut exister dans notre pays ou dans d'autres pays, la différence entre les cultures, la complémentarité des cultures, etc., etc. Et c'est connaître un monde, puisque la vie judiciaire, c'est un monde de variété. Vous avez plein de situations variées. Alors, on peut comprendre. Moi, j'ai eu par exemple des affaires, je prends un exemple presque au hasard. Une affaire criminelle avec des gens qui venaient des Indes, qui étaient des Tamouls. Donc, c'est des gens qui ont une vie très, très différente, même s'il y a des communautés tamoules en France, en région parisienne notamment. Faut connaître un peu leur. Alors, on n'est pas obligé de faire une thèse de sociologie et de géographie sur l'Inde et les mouvements qui existent là, mais par exemple, il y a des endroits, il y a des personnes qui ont connu des situations d'extrême violence. Quand ils arrivent en France, ils sont certainement un peu perturbés sur le plan psychologique, psychiatrique, etc., qu'on retrouve facilement dans des affaires criminelles. Vous imaginez quelqu'un, par exemple, qui a vécu en Afghanistan, dans une ville où il y a des bombes qui sont tombées sur lui, sa famille, pendant un certain nombre de semaines. Il y a des moments où ce n'est pas négligeable de savoir un peu ce qui s'est passé dans sa vie. Vous voyez? Ce qui n'est pas forcément, je ne vais pas dire que c'est une excuse, mais c'est une explication indispensable à connaître. Vous voyez, c'est connaître son entourage. Alors déjà, un étudiant qui passe le concours de la magistrature, on va d'abord, on exige que ce soit un très bon juriste, hein, qui connaisse bien le programme qui lui est imposé, pour pouvoir le sélectionner par rapport, on prend normalement, le concours, c'est normalement pour sélectionner quelqu'un qui est meilleur qu'un autre, hein, il y a un nombre de places. X, il y a 200 places, par exemple, ben le 201e, il ne sera pas reçu parce qu'il a été 201e et pas 200e. Vous voyez? Alors, les compétences sont évidemment des compétences juridiques et des compétences de relations humaines, de compréhension humaine. Hein, il y a une certaine bienveillance à avoir, de compréhension, mais en même temps, on doit allier la compétence, la compréhension et la fermeté. Parce que non plus, la justice, elle doit être solennelle, puisque c'est pas un avertissement comme des parents pourraient faire à leur enfant, par exemple, en disant tu recommences pas de faire ci ou ça, parce que sinon samedi, tu n'as pas le droit de sortir, ou
ou quand on est plus jeune, mercredi, tu n'iras pas au goûter avec un tel pour son anniversaire. Non, c'est pas ça. C'est une décision solennelle prise, comme disent les jugements, au nom du peuple français. C'est-à-dire que quand quelqu'un a commis une infraction, si elle est très grave, notamment, il doit recevoir une réponse à la hauteur de ce qui a été commis, mais en même temps avec l'espoir de sa réinsertion, parce qu'il y a très peu de personnes qui passent leur vie en détention, bien sûr. Alors, là, une question curieuse, un magistrat du parquet peut-il servir dans la réserve opérationnelle de gendarmerie? Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a un cas spécifique. Alors, je pense que non, puisqu'on ne peut pas être à la fois gendarme et magistrat. Il faudrait qu'on m'explique si cette question se rapporte à une situation vécue. Les conseils, je viens d'en parler. Dans quelle mesure le droit a changé votre vie? Il a changé ma vie parce qu'il a fait ma vie. C'est-à-dire que je me suis spécialisé dans le droit et non pas dans la médecine, dans l'histoire, voilà. Donc c'est chacun fait un métier qui constitue sa vie. Et malheureusement, certains ne peuvent pas exercer le métier parce qu'ils en apprennent un, ils ne peuvent pas l'exercer. C'est très difficile. Moi, j'ai la chance d'avoir fait un métier qui me passionne et que je continue à faire plus de 30 ans après. Alors, ceux qui manquent de confiance. Je pense qu'il faut beaucoup travailler, il faut être, il faut. C'est une question, je pense. Le concours, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, je l'avais passé deux fois. La première fois, on est un peu surpris parce que il faut qu'on connaisse une technique. C'est pour ça que les préparations sont beaucoup mieux faites à l'heure actuelle qu'elles ne l'étaient à l'époque où j'ai passé le concours, il y a plus de 30 ans. C'est le concours, malheureusement, il y a une espèce de formatage et il faut rentrer dans un ce qu'on appelle des canons, des systèmes de pensée qui sont comment faire une dissertation claire, comment rédiger correctement. Voilà, c'est une méthode de travail qui nécessite quand même beaucoup d'heures, beaucoup de volonté. C'est difficile. Vous voyez, j'ai un très mauvais souvenir de l'année qui a précédé le concours que j'ai réussi, parce que j'ai travaillé toute l'année à la prépa, les vacances ont été supprimées, etc. Enfin, le jeu en valait vraiment la chandelle. Et puis, il faut s'intéresser à beaucoup de choses, à lire. Par exemple, vous voyez, quand je préparais le concours, je lisais tous les jours un journal différent. J'allais du Figaro à l'Humanité, en passant par l'Express, par je sais pas, Le Monde. Je sais pas, Libération, etc. Enfin, je lisais tous les jours un journal différent parce qu'on pouvait s'attendre, notamment au grand oral du culture générale, on peut être un peu déstabilisé quand on pose une question à laquelle on ne sait pas forcément répondre. Et il faut apprendre à ne pas savoir la réponse à la question qu'on vous pose pour montrer que vous n'êtes pas forcément déstabilisé. Hein, vous voyez, c'est aussi une habitude de maîtrise de psychologie. Il faut pas s'énerver, faut pas, si vous voulez, quand vous assistez à une audience, si on fond en larmes à tout moment, ou si on se fâche après alors quelquefois on peut hausser un peu le ton pour bien sûr montrer l'autorité, mais on ne doit pas non plus pousser des cris et des hurlements. On n'est pas dans un match de boxe ou un sport violent, vous voyez. Donc il y a plein de qualités humaine, notamment à avoir pour exercer cette fonction-là. Voilà, je crois que j'ai fait. Alors, mes voeux pour la jeunesse d'aujourd'hui, mes voeux, c'est que vous réussissiez tous, là, puisque c'est un caractère professionnel, c'est d'être heureux dans sa vie. Et je pense qu'on ne peut l'être quand on exerce un métier qui nous intéresse, parce que bien sûr, le travail, ça vous occupe tous les jours, sauf les moments où les moments de détente, les week-ends et les vacances, mais sinon, c'est vrai que c'est un nombre. Je ne peux pas me risquer à calculer le nombre d'heures de travail que j'ai exécuté depuis le début de ma carrière, parce que voilà, je pourrais savoir, par exemple, combien de jours, combien de dossiers d'assises j'ai eu, par exemple, mais bon, j'ai pas compté, mais je pourrais le faire. Mais voilà, donc je pense que pour vous, c'est la réussite par le travail, et surtout que vous ayez un travail après. Malheureusement, quelquefois, on fait de longues études et puis on ne parvient pas
à obtenir la place que l'on veut. Ça, c'est, y a des secteurs dans lesquels c'est très très difficile. Et bon, je le sais bien, même pour les juristes, quand on veut entrer dans le secteur privé, par exemple, ça peut être très difficile. Voilà. Donc, je suis prêt à répondre à certaines questions. Je vous remercie. J'ai déjà une première question d'une personne qui vous demande si vous lui conseillez de faire un master puis le concours à travers Sciences Po ou plutôt d'intégrer Sciences Po directement en master. Après, ce n'est pas orienté sur votre métier, mais selon vous. Alors, personnellement, moi, je n'ai pas fait science. J'ai un exemple que je connais bien, c'est celui d'un de mes fils qui, lui, a fait Sciences Po, la prépa et le concours à la magistrature. Il a fait une très bonne préparation. C'est difficile pour moi de vous donner un conseil. Je sais que la préparation, notamment ce que vous manquez pas de faire, ce qui est très disponible grâce à Internet qui n'existait pas quand j'étais étudiant, c'est de connaître les statistiques de réussite de tel ou tel. C'est Paris de Assas qui a le plus grand nombre de réussites. Ensuite Paris 1, puis après il y a Bordeaux, etc. Bon, et puis c'est vrai que le Master 2 de Sciences Po, et puis ensuite ce qu'on appelle l'école de droit et la préparation au concours, ce qu'on appelle le CJJ, la carrière juridique et judiciaire, est celui qui obtient le plus de réussites au concours. Donc ça doit vouloir dire que c'est une bonne voie. Mais effectivement, quand on me demandait un master, alors est-ce que c'est Master 1 et 2? Je pense qu'effectivement, que l'on obtient en étant diplômé d'un Master 2, bien sûr, même s'il y en a un certain nombre qui ont le Master 1, qui réussissent le concours avec le Master 1. D'accord. Alors, il y a une question à laquelle je peux répondre au passage d'un certain Guillaume qui me dit « J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier. » Alors, bien sûr, puisque mon métier est un métier de conviction, c'est évidemment de convaincre, hein, puisque je fais un peu le même métier qu'un avocat, puisqu'à l'audience, je suis chargé de convaincre la cour et le jury de ma position, hein, qui n'est pas une opinion, c'est un point de vue qui est celui de l'accusation. Donc évidemment, ce qui me plaît le plus, c'est de convaincre, et ce qui me déplaît le plus, c'est évidemment de perdre. Mais il faut aussi que quand je perds, c'est une façon de dire, je relativise, mais quand j'ai déjà, par exemple, assisté à l'acquittement de certains accusés contre lesquels j'avais demandé une peine, eh bien, c'est une défaite, mais je dois pas non plus en personnel. Hein, je dois voir par rapport aux affaires que j'ai traitées. Hein, moi, la différence entre un avocat et moi, c'est que moi, je n'ai pas de client. J'ai pas de récompense, je suis pas payé au crâne, comme par exemple on peut me dire, hein, j'avais pas une prime, plus les années de prison seront importantes. Donc pour moi, c'est une réussite parce que c'est le couronnement d'un travail et le couronnement d'une conviction. Je suis satisfait d'avoir transmis ma conviction. Alors, on me demande si on peut tenter l'ENM avec un master public. Ça sera plus difficile parce qu'il y a une très grande partie des matières de droit privé, que ce soit le droit commercial, le droit privé, le droit civil, qui est une énorme partie du concours. C'était déjà le cas à l'époque où je l'ai passé. Le droit civil, c'est un très très gros morceau, donc il faut être un bon civiliste. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que les personnes ne savent pas qu'ils peuvent d'ores et déjà poser leurs questions dans le chat. Et ensuite, je vous les transmets, enfin, je vous les lis. Donc, voilà. Posez vos questions en public, s'il vous plaît, à tout le monde pour qu'on puisse nous les voir et les poser à l'intervenant, s'il vous plaît. Alors, une question. Est-il mieux de consacrer une année à la préparation du concours ou est-ce faisable de le préparer en parallèle d'un master 2? Alors, ça, c'est. Je vous dirais, les deux sont possibles.
moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un master 2 et la préparation en même temps. C'est chacun voit où il en est, quel est l'état d'avancement de ses connaissances juridiques, est-ce qu'il a acquis. Parce que plus on sait tôt qu'on veut être magistrat, je prends mon exemple, puisque j'ai eu envie de devenir magistrat quand j'étais en troisième au collège, plus j'ai orienté toutes les matières que j'ai choisies au fur et à mesure de mes années de droit, je les avais orientées en fonction du concours. Mais quand ça vient tardivement, ce qui peut arriver aussi, il y a des magistrats qui ont voulu être magistrats bien plus tard que moi. L'idée leur est venue, eh bien, à ce moment-là, on peut finalement, il faut rattraper, j'allais dire, le temps perdu. Hein. Alors, je profite de répondre à une question que j'ai vue là. Il y en a un parmi vous d'ailleurs qui m'avait envoyé une demande. Est-ce qu'on peut faire un stage et là, on me demande si on peut faire un stage au mois de février. C'est toujours possible de faire un stage. C'est-à-dire que moi, pour moi, le stage, il n'est pas très compliqué. Votre présidente le sait, puisqu'elle en a fait un stage chez moi. Le stage, c'est particulièrement intéressant d'assister à une audience de bout en bout pour voir comment une affaire criminelle est jugée. On la présente jusqu'au verdict. Alors, effectivement, ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez assister soit à faire un stage, soit tout simplement assister à une audience, puisque la justice est publique, sauf certains cas lorsque, dans certains cas, le public n'est pas admis quand il y a un huis clos ou quand il y a des mineurs. J'entends peut-être une question, là, non ? Oui ? Mais ça, ton micro n'est pas activé. Pardon, j'étais en train de parler dans le vent. Alors, on a beaucoup de questions. Permettez-moi deux petites minutes de retrouver le fil. Pouvons-nous, en ce moment, assister à des audiences ou sommes-nous restreints en raison de la crise sanitaire ? C'est une question que beaucoup de gens se posent, alors, même sur les réseaux sociaux. Alors, on peut assister aux audiences. Les audiences sont publiques et souvent, d'ailleurs, elles sont très prisées. Il y a des affaires dans lesquelles il n'y a absolument aucun public. La quasi-totalité des affaires d'assises n'intéresse personne et elles sont publiques. C'est des affaires assez simples, des affaires qui sont graves, tristes, tout ce que vous voulez, mais il y a très peu de monde. Là, bien sûr, c'est le président de la cour d'assises qui a ce qu'on appelle la police de l'audience et qui autorise le public à rentrer. Donc, on a ce qu'on appelle des jauges comme partout. Au bout d'un moment, après un espacement de deux places, etc., enfin, comme partout, il y a un moment où on pourra plus assister à l'audience. Mais normalement, on peut assister à l'audience. D'accord. On me demande si être assistant de justice pendant le Master 2 peut aider pour le concours. Alors certainement, oui. Il faut trouver un poste, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de demandes et peu d'élus, mais un poste d'assistant de justice est très intéressant parce que vous avez déjà un pied dans la pratique judiciaire, vous faites déjà du travail judiciaire, c'est une très bonne préparation. Je lis une autre question. Pouvez-vous aborder la question de l'indépendance d'un parquetier selon votre point de vue et votre vécu ? Alors ça, c'est une question intéressante, évidemment. L'indépendance de la magistrature, c'est principalement le fait qu'on puisse, soit par des ordres qui viendraient d'en haut, soit par la peur, soit par la crainte, soit par, pire encore, par la corruption. Donc on doit être indépendant de l'autorité, de l'État et de notre entourage. Je dois pas avoir de lien, d'amitié, de parenté, par exemple. S'il y a des gens de ma famille qui sont concernés par une procédure pénale, je dois évidemment me retirer. C'est une question de déontologie. Le magistrat du parquet, et on me demande la distinction entre le métier et le métier de procureur. C'est le même, sauf que moi, l'avocat général, c'est le nom qu'on me donne à l'audience de la cour d'assises. Mais sinon, je fais partie de ce qu'on appelle les procureurs, qu'on appelle plus techniquement les magistrats du parquet ou du ministère public. Le procureur, c'est une fonction spécifique, c'est le chef du parquet
dans les juridictions de première instance, ce qu'on appelle actuellement les tribunaux judiciaires. Et ça s'appelle le procureur général à la cour d'appel. Alors, le statut du parquet a ça d'important, c'est que on dit l'écrit, la parole, la plume est serve, mais la parole est libre. C'est-à-dire qu'on peut me donner des instructions par écrit, notamment le fait que je sois affecté à la cour d'assises, c'est une demande que j'ai faite, mais c'est surtout parce que mon procureur général m'a affecté à la cour d'assises. J'aurais pu aller ailleurs dans le parquet général. Déjà, il y a une c'est pas, l'indépendance, elle ne concerne pas la vie en général que j'ai, elle ne concerne que mes décisions que je vais prononcer, la que je vais demander, puisque je le fais par oral, je suis libre. C'est ma conscience. C'est des affaires qui sont très médiatiques, par exemple. Je peux expliquer un certain nombre de choses. Je fais, par exemple, expliquer ce qui se passe à l'audience quand il y a un incident, que le procureur général et voire le ministère de la Justice ou le ministre lui-même ne lise pas ça dans le journal, alors que ça pourrait être passé par un certain nombre de... Vous savez ce que c'est, comment on fait quand on relaye un événement qui est médiatisé, il y a une part d'erreur. Là, si c'est moi qui répercute quelque chose qui s'est passé à l'audience ou un événement, et ne serait-ce que la peine qui est prononcée, je rends compte, j'envoie immédiatement, maintenant ça se fait très simplement par un mail, j'explique que un tel a été condamné à telle peine. Comme ça, ça part, et on est, vous voyez, c'est une question, on fait remonter des informations. Mais évidemment, nul ne peut me dicter une conduite. Alors, bien sûr qu'il existe des affaires dans lesquelles le pouvoir peut s'intéresser. Ce n'est pas vraiment les affaires criminelles que j'ai. Vous le savez bien que ce n'est pas le domaine dans lequel ma fonction est le plus en danger, a besoin d'être protégée. Mais en tout cas, moi, personnellement, je me suis toujours senti très libre, même en appartenant à une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a, il y a l'équipe du parquet sous la responsabilité du procureur de la République quand on est au tribunal et du procureur général à la cour, mais une équipe hiérarchique, ça veut dire que, comme par exemple un professeur d'université, il est sous la houlette du doyen ou du président de l'université pour l'organisation de ses cours, l'attribution de la salle de cours, etc. Mais son cours, il le fait de façon totalement libre parce que c'est le propre même du professeur de l'université. C'est très comparable. Oui. J'ai la liberté intellectuelle de créer ma propre argumentation. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit dans le, j'ai quand même des limites à respecter, ne serait-ce que celle de la loi. Je ne peux pas requérir des peines qui n'existent pas, qui ne sont pas dans le droit. J'ai pas le droit de dire d'être de mauvaise foi et d'inventer des choses qui n'existent pas. J'ai un devoir de dignité, de délicatesse, de déontologie. J'ai mes devoirs déontologiques de magistrat. Donc je dois respecter ce que me commande mon statut. Mais sinon, je me sens avoir une grande liberté d'expression et d'appréciation. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la mobilité dans votre fonction et combien de temps pouvez-vous rester à un poste? Alors, la mobilité, elle est importante, à mon sens, pour répondre à ce que je disais tout à l'heure, qu'on ait une connaissance finalement assez vaste de la population dans laquelle on travaille. Et c'est une grande richesse de changer plusieurs fois dans sa carrière. Moi, j'ai vécu notamment dans des départements assez ruraux où j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas avant parce que j'habitais plutôt dans des grandes villes. Donc, j'ai appris à connaître plein de choses intéressantes. J'ai découvert des choses qui sont intéressantes pour découvrir ce que c'est que l'humain. La mobilité, elle est intéressante aussi pour ne pas prendre trop de mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, ça peut être par exemple fréquenter toujours les mêmes gens. Et puis avoir une espèce de répétitivité dans le contentieux qui existe dans une ville et qui n'existerait pas dans une autre. Alors la mobilité, normalement, elle est différente entre le magistrat du siège et du parquet.
Vous savez que les magistrats du siège sont inamovibles. Donc, on ne peut pas les muter contre leur volonté. Sauf que un magistrat spécialisé comme un juge d'instruction, par exemple, il ne peut pas rester plus de 10 ans dans son poste. Après, il est obligé de changer. Un chef de parquet ou un chef de cour, il ne peut pas rester plus de 7 ans dans son poste. On le changera au bout de 7 ans. Il y a certaines fonctions dans lesquelles on peut rester, mais c'est. Alors, on est obligé de rester au moins 2 ans quand on arrive dans un poste, parce qu'évidemment, on ne peut pas changer quand même tous les 6 mois. Mais pour moi, j'ai beaucoup apprécié d'avoir changé de région et d'avoir découvert plein de choses différentes. Et si j'avais voulu rester au même endroit, je serais devenu avocat, je crois, ça aurait été beaucoup plus simple, hein. J'ai vécu dans une grande ville dans laquelle j'aurais pu ouvrir un cabinet et devenir avocat. Ce n'était pas mon choix. Donc à partir du moment où j'ai choisi d'être magistrat, j'ai choisi notamment d'être mobile géographiquement. Alors, c'est compliqué. Quand on a des enfants, c'est difficile. On impose aux enfants de déménager, par exemple. Vous savez comment, vous imaginez, si c'est peut-être certains d'entre vous ont eu des parents qui ont été obligés de changer d'endroit, c'est pas très rigolo quand vous avez 14-15 ans de partir, voilà, d'arriver dans un lycée nouveau en seconde, en septembre, c'est pas marrant, mais c'est la vie. Je pense que mes enfants ont pas l'air de m'en vouloir trop. Merci beaucoup. Je vais reprendre le flambeau des questions. Vous avez une question sur est-ce que vous avez fait des stages en juridiction durant vos études et est-ce important selon vous? Alors, le stage en juridiction, à l'époque où j'étais étudiant, n'était absolument pas obligatoire et j'ai eu la chance d'en faire un lorsque j'étais en master 1. J'allais aux audiences quelquefois régulièrement à la cour d'assises ou au tribunal correctionnel parce que j'aimais bien le pénal. Mais j'ai fait un stage en master 1 où j'allais tous les lundis, toute la journée, au tribunal. Où j'ai vu les fonctions, toutes les fonctions les unes après les autres. Puis j'ai rattrapé mes cours après, parce qu'il y avait quand même cours à ce moment-là. À mon époque, il y a beaucoup d'étudiants qui passaient le concours de l'ENM sans avoir jamais mis les pieds dans un palais de justice, qui fréquentaient le palais de justice pour la première fois lorsqu'ils arrivaient en stage. Je pense que ça n'existe plus, parce que le concours a totalement changé d'esprit. Moi, j'avais un concours qui était quand même, on peut qualifier d'assez académique. À la fois sur le plan de la culture générale et de la culture juridique, judiciaire, enfin juridique plutôt justement juridique, alors que le concours actuel, il est plutôt axé, il ressemble plus à un entretien d'embauche une fois qu'on a passé l'écrit. L'oral, il est très très orienté, notamment le grand oral, la mise en situation. Vous savez qu'on fait faire un CV aux étudiants qui présentent une espèce de questionnaire sur leur propre vie, ils doivent donner leurs expériences, etc. Et ils sont questionnés là-dessus. Moi, j'avais très peu de questions sur ce que j'avais fait avant. On posait des questions pour savoir si je connaissais, je sais pas, les grands peintres, les grands écrivains, les grandes tendances de l'histoire de ceci et de cela, l'équilibre. Bon, j'ai passé le concours à la fin des années 80, donc il y avait encore. Vous imaginez quand vous allez me prendre pour un vieux personnage, mais c'est un peu vrai pour vous. Quand j'ai passé mon concours, il y avait encore l'Union soviétique qui était encore au pouvoir, qui était très très puissante, avec tout le bloc de l'Est, avec tous les pays communistes. Il y avait les États-Unis de l'autre côté, etc. Enfin, tout ça a totalement totalement changé. Donc les données géopolitiques et tout ça était important à connaître à l'époque. On devait connaître les grands, comme maintenant ça existe. Vous imaginez par exemple le réchauffement climatique. Quand j'ai passé le concours, je pourrais dire qu'on s'en foutait complètement, mais pas loin. Même si l'écologie était déjà quelque chose qui existait, mais on parlait sûrement pas du réchauffement climatique. On parlait pas non plus. Alors on parlait de l'égalité de l'homme et de la femme. Très, 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 très évidemment, puisque je suis quand même pas si vieux que ça. Il y a eu déjà les ministres de la condition féminine il y a longtemps, quand j'étais adolescent, même ça existait. Mais toute la question des violences faites aux femmes, etc., n'existait pas autant, n'était pas aussi prégnante comment dire, la problématique sociale que maintenant. Vous voyez, il y avait d'autres thèmes. D'accord.
Merci beaucoup pour votre réponse. Pensez-vous qu'être assistant de justice pendant son Master 2 peut aider pendant le concours? Alors, ça, j'y ai répondu tout à l'heure. C'est Ah oui, oui. Oui, oui. Oui, je réponds trois fois oui parce que ça permet d'avoir un aperçu qui n'est plus théorique mais pratique. C'est un peu ça la difficulté de passage entre le monde étudiant, le monde, vous connaissez les concepts, dont un manque de connaissance de la pratique. C'est très très bien. Ça concrétise tout ce que vous apprenez dans les manuels et cours de droit. Parfait, merci beaucoup. Alors, on me demande si un examen psychologique des futurs magistrats. Alors, il n'y a pas un examen psychologique, mais il y a un psychologue. Alors, ce n'est pas un psychologue clinicien, ce n'est pas une expertise, surtout pas psychiatrique, mais pas de psychologie clinicienne, mais un psychologue de ressources humaines qui assiste au grand oral et à la mise en situation. Ça fait il y a quelques années que ça existe, afin de déterminer un caractère, mais c'est très très difficile de déterminer un caractère à partir d'un entretien où en général les étudiants, même un étudiant qui peut être perturbé psychologiquement, il peut être extrêmement brillant à l'oral. Ça, c'est très difficile de déterminer. Ça serait compliqué dans un concours d'avoir ce genre d'évaluation. D'accord, merci beaucoup. J'ai une question, il me semble que je vous avais déjà posée quand j'étais en stage. Est-ce qu'il y a une affaire qui vous a particulièrement marqué plus que les autres? Bon, il y en a plein qui m'ont marqué. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'affaire Mera, bien sûr, c'est quand même une affaire qui m'a beaucoup marqué. J'ai eu des affaires criminelles qui m'ont marqué. Puis tout à l'heure, je vous disais quelque chose qui m'a marqué. J'étais de permanence à Évry quand il y a eu le déraillement du train à Brétigny-sur-Orge. Peut-être vous vous rappelez tous, c'est en 2013, donc c'est relativement récent. Hein, je suis arrivé dans une gare dans laquelle il y a un train qui avait déraillé avec des morts et tout ça, beaucoup de blessés, la gare complètement détruite comme s'il y avait eu un bombardement. C'est vrai que c'est très très impressionnant. Donc ça, vous imaginez que c'est un souvenir que j'ai gardé, qui est un souvenir de vie professionnelle. Sinon, bien sûr, il y a plein d'affaires qui m'ont marqué, tout à fait. Pensez-vous qu'il est possible de s'engager dans une thèse et, à l'issue de celle-ci, tenter le recrutement sur titre ou un des concours? Que pensez-vous des chances de réussite en passant par le recrutement sur titre? Commencer une thèse et le recrutement sur titre, c'est deux choses totalement différentes. La thèse, ça signifie quand même que vous avez plutôt une vocation universitaire que une vocation judiciaire. Ceci étant, effectivement, l'accès sur titre, il est possible, et notamment il y a certains professeurs de droit ou enseignants de droit qui peuvent devenir magistrats. Ils sont moins nombreux, par exemple, que les avocats, qui sont eux, qui est le plus gros recrutement sur titre. C'est un peu normal, puisque un avocat fait à peu près le même métier que le nôtre, c'est le métier le plus proche. Il y a d'autres personnes qui veulent devenir magistrats, il y a des policiers, des gendarmes, je sais pas, des personnes qui ont quand même évidemment une carrière à caractère juridique, mais c'est sûr que ce sont les avocats qui… Alors, recrutement sur titre, ça veut dire que on rentre non pas par le concours, mais sur un dossier, un CV, une motivation, et on peut aller directement à l'école sans passer par le concours ou rentrer directement en magistrature sans passer par l'ENM. Mais il faut évidemment, il y a des conditions d'années d'exercice dans le métier qui permettent d'accéder sur titre. Alors, ça n'a pas tellement de relation avec la thèse. Même si, alors vous avez aussi des grands professeurs de droit, professeurs agrégés de droit, qui rentrent directement à la Cour de cassation, mais ça, il y a très peu de cas de figure. D'accord, merci beaucoup. Je lis une autre question. Vu que vous insistez sur l'aspect culture générale, il y a quelqu'un qui vous demande comment augmenter sa culture générale. Quel type de livre faut-il lire? Alors ça, c'est évidemment une question assez difficile, puisque la culture générale, c'est, j'allais dire, tout,
Il faut être curieux de tout, mais vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Parce que quelqu'un qui connaîtrait des listes de tout, je sais pas, qui connaîtrait par cœur la population de toutes les villes d'Amérique du Sud supérieures à 3000 habitants, c'est bien comme exercice de mémoire, mais ce n'est pas extrêmement utile. Si vous voulez, la culture générale, c'est la faculté d'appréhender un très grand nombre de choses, de montrer son ouverture au monde. Donc, il faut lire des choses extrêmement variées dans les domaines qui sont évidemment les plus proches. On ne va pas certainement consulter vos connaissances en matière de physique ou de mathématiques quantiques. Hein, la question sur les mathématiques sérielles, je pense que vous aurez très peu de questions, et pareil pour la biochimie. En revanche, si on vous pose des questions à caractère économique, géographique, historique, il faut que vous ayez quand même un aperçu, je le disais tout à l'heure, sur la littérature en général, que vous ne soyez pas complètement étonné, dire « Ah bon, Balzac, qui sais-je, j'ai entendu parler ». Vous voyez, c'est quand même important, savoir le situer dans le temps, voilà, est-ce que Molière a vécu avant, pendant ou après Balzac? C'est quand même l'essentiel de savoir quand même, de connaître un peu l'histoire de France en général. Le nombre de morts à la bataille d'Eylau, ce n'est pas forcément utile. Merci Bon, beaucoup. faut lire le journal, il faut lire des livres, il faut être au courant. Merci beaucoup. J'ai une autre question qui vous a été posée, vu que on peut vous qualifier de pénaliste. Oui. Oui. Selon vous, le droit pénal est-il plutôt du droit privé ou du droit public? Je pense que c'était la question. Alors ça une grande question, mais quand on est un praticien, elle nous intéresse plus vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, le droit pénal utilise plutôt les règles du droit privé, mais sa fonction, son objectif est plutôt du droit public. Donc, si vous voulez, à partir du moment où j'ai répondu ça, j'ai répondu à un universitaire qui se pose des questions importantes, mais en même temps, quand vous êtes un praticien du droit pénal tous les jours, le fait que ce soit du droit privé ou du droit public, pour moi, ça n'importe plus tellement. Mais bien sûr, moi qui suis un magistrat du ministère public, ça veut dire que j'utilise le droit pénal à des fins d'autorité publique. Donc, c'est un peu du droit public. Totalement. On a une autre question par rapport au concours. Est-ce que le deuxième concours, en tant que fonctionnaire en reconversion professionnelle, est-il différent du premier Non, concours? c'est les mêmes épreuves. C'est les mêmes épreuves, mais souvent il y a moins de candidats sur le nombre de candidats requis. Le niveau n'est pas suffisant, donc on reporte des postes du concours interne au concours externe, si bien qu'en fait on a plus de chances de réussir le concours en étant étudiant qu'en étant fonctionnaire ou en ayant une expérience juridique antérieure. Merci beaucoup. Il y a une personne qui vous pose la question. Avez-vous entendu parler du Master 2 magistrature dispensé par l'Université de Rennes? Alors, pas du tout. Je ne connais pas du tout ce master. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Je vais attendre quelques petites Alors, secondes. on pardonnera évidemment toutes les questions auxquelles j'ai peut-être pas pu répondre au fur et à mesure, parce que vous êtes quand même nombreux. Je ne sais pas combien il y a de connexions, là, j'avais vu 114 tout à l'heure. Oui, on était à une centaine tout à l'heure. Après, avec la coupure, c'est redescendu. Alors, attendez, on a une nouvelle question. Avez-vous un plan B à côté de votre devenir magistrat? On est obligé d'avoir un plan B. J'avais pensé à la pénitentiaire, à la police, mais vraiment, c'est un tort, mais il faut penser à un plan B. Mais honnêtement, j'étais vraiment, vraiment dans l'objectif de réussir et j'ai eu de la chance de réussir. Mais le plan B, ça aurait été vraiment difficile, mais j'y pense plus. Quelqu'un vous demande si en droit pénal, à quel point votre métier est-il influencé par le droit international et européen? Alors, le droit, le, dans la pratique judiciaire, le droit international
est important, notamment sur les règles qui concernent l'extradition, le mandat d'arrêt européen, etc. Tout ça, c'est des choses de tous les jours. On a ces règles-là à appliquer. Ensuite, le droit européen, c'est notamment tout le droit qui résulte de la Convention, la Cour européenne des droits de l'homme, la sauvegarde du citoyen, etc. C'est sur la jurisprudence, notamment sur la détention, les conditions de détention, bien sûr, ça a une influence considérable, absolument. Merci beaucoup. On a encore quelques petites questions. Alors les stages, on me demande s'il y a des stages en période de crise sanitaire. Oui, il y a des stages possibles, quelquefois plus restreints, mais on peut toujours prendre des stagiaires, bien sûr. On vous demande si, en tant que magistrat, quel est votre rapport aux médias dans les affaires judiciaires? Alors, moi, les médias, je les vois dans les procès auxquels je participe. Si des journalistes me posent des questions, je leur réponds toujours parce que je préfère ne pas ignorer parce que c'est important. Puis en plus, j'ai de la chance que les journalistes qui assistent aux audiences de la Cour d'assises de Paris sont tous des journalistes accrédités par l'Association de la presse judiciaire. Donc je connais, ça dépend quel média vous regardez, quelle télévision, quelle radio, etc. Je les connais à peu près tous. Ça me permet en général, ils connaissent les choses et les relations qu'on a avec eux sont agréables. C'est dans d'autres fonctions, quand les faits divers, par exemple, y a des médicaments pas forcément très faciles. Évidemment, c'est de l'instruction. Respecter le secret de l'enquête, respecter la vie des gens, si on n'est pas obligé de tout raconter. Pour nous, la vie médiatique, c'est compliqué. Il faut gérer les fuites. C'est pas facile. Vous avez vu, il y a des procureurs qui interviennent, qui font des conférences de presse, et ça, c'est bien de pouvoir faire des choses et qu'on Je crois raconte qu'on pas, a qu'on arrive. des petits bugs techniques. Alors attendez. Parce que ça coupe un petit peu. Ah, c'est bon. Je crois qu'on vous voit à nouveau, mais votre micro est coupé, monsieur. Je ne vous entends pas. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, je ne sais pas où j'en étais concernant les médias. Tu disais qu'il y a l'audience où, pour moi, c'est très simple parce que je réponds évidemment épisodiquement à une question, mais je ne suis pas trop en veille, si je puis dire. Je ne communique évidemment jamais sur un dossier dans lequel je suis. Ça, jamais. Ça, si vous voulez, j'allais dire, ça ne se fait pas. Hein. Ensuite, dans d'autres fonctions, j'ai eu à intervenir auprès des médias. Tout à l'heure, par exemple, je parlais de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge en 2013. J'ai là eu à gérer toutes les relations avec les médias qui étaient très difficiles. Parce qu'ils veulent tout savoir tout immédiatement, donc là, c'est compliqué. J'ai vu que quelqu'un m'a posé une question au vol que j'ai vue là sur l'indépendance du parquet. Alors, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Hein, sur l'indépendance du parquet, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de fantasmes sur le fait que le parquet est une espèce d'armée disciplinée qui applique la volonté du garde des Sceaux. On est des magistrats, on applique la loi. D'ailleurs, on est soumis à la loi plus qu'à la volonté d'un pouvoir. Mais il y a un travail d'équipe et un travail hiérarchique. Je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si, je sais pas si j'ai été entendu là-dessus. Malheureusement, en fait, il y a des personnes qui rejoignent l'intervention en cours de route, donc peut-être qu'ils ratent la question. Dans le même aspect, on a une question: dans quelle mesure votre travail est influencé par le ministère de la Justice? Alors, moi, mon travail actuel, il est très peu influencé par le ministère de la Justice.
Seulement, s'il y a un changement législatif qui est à l'origine, dont l'origine est le ministère de la Justice, évidemment, ça va changer. Quand on a instauré l'appel en matière criminelle, c'est une initiative législative de la part du ministère de la Justice. Vous imaginez que ça a changé les choses, qu'on ait des audiences en appel alors qu'on n'en avait pas avant. Après, on était obligé de motiver les décisions depuis 2011. C'est très récent. Donc ça influence mon travail. C'est le changement de la loi qui influence mon travail. Mais en revanche, je voulais expliquer, puis ça rejoint cette question sur l'indépendance du parquet. On ne me dicte pas du tout ce que je dois dire à l'audience ou pas dire. Hein, je peux rendre compte de ce qui s'est passé, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, etc. J'informe, mais je ne reçois pas d'instruction. Très bien, merci beaucoup. On a une question sur les stages en milieu pénitentiaire. Est-ce que ça peut être un atout ou pas? Bien sûr, je répondrai autant que le greffe pénitentiaire. Là, je vois aussi qu'on peut poser une question dans un cabinet d'avocat. Valoriser dans votre CV, lorsque vous passez le grand oral, on verra que vous êtes intéressé à la chose. Il n'y a pas que la magistrature, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Alors oui, tout stage police, etc. Si vous faites un stage dans une poissonnerie, c'est une très bonne chose parce que vous allez apprendre à travailler les pieds dans le froid, les mains glacées, etc. Mais ça, c'est parfait. Mais bon, c'est un stage pour apprendre l'humain, ça. Mais tout ce qui est directement ou indirectement judiciaire et juridique, oui, très, très bonne chose. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on a dépassé un peu plus les 1 heure qui était prévue. Je ne sais pas si vous avez encore un peu de temps D'accord. devant vous, si jamais on a Bah, d'autres questions. on peut terminer quand vous voulez, bah, d'ici à 7h30, par exemple. D'accord, très bien. J'attends de voir si d'autres questions se posent. C'est une question que je vous avais déjà posée et auquel vous m'aviez répondu, mais je pense que ça peut être intéressant. Pourquoi on vous nomme avocat général et pas pourquoi ce titre-là? Alors, l'avocat général, je l'explique aux jurés qui ne voient pas très bien à quoi ça correspond. Je leur dis, je suis avocat général, mais je suis ni avocat ni général. C'est-à-dire que je ne suis pas avocat parce que je n'exerce pas le métier d'avocat, parce que je n'ai pas de client. Et je ne suis pas général parce que je ne suis pas militaire, que je n'ai pas d'étoile sur les manches de ma veste. Mais je suis avocat général parce que c'est le contraire de avocat particulier. C'est-à-dire que je suis l'avocat de la cause générale, de l'intérêt général. Alors que l'avocat de la victime qui est partie civile, le plaignant ou la victime qui est partie civile et l'avocat de l'accusé aux assises, c'est un avocat qui défend des intérêts particuliers. Moi, je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas de client, donc je défends l'intérêt général. L'intérêt général, c'est le fait qu'il y ait la répression pénale qui soit juste, et c'est pour ça que mon métier, c'est de soutenir l'accusation. L'accusation, elle est dans le sens de l'intérêt général. Ce n'est pas dans le sens de la vengeance. Donc l'intérêt général, c'est l'intérêt général, c'est la justice. Donc c'est l'avocat de la société. Hein, je ne suis pas l'avocat de l'État. Je ne suis pas représentant de l'État. Je ne suis pas préfet. Hein, on l'appelle le procureur, le substitut, le vice-procureur, c'est le magistrat du parquet. Aux assises, on nous appelle avocat puisque on porte la parole de quelqu'un. En latin, advocare, c'est celui qui porte la parole, qui porte la voix. Hein, la voie vers le tribunal, je porte donc la voie de l'intérêt général. Voilà. Pourquoi un avocat général? Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors, à quel moment se fait le choix de devenir procureur ou juge et peut-on passer une fonction? Alors, ça, c'est une question intéressante parce que le garde des Sceaux actuel, que je connais particulièrement parce que je l'ai eu comme adversaire dans un certain nombre de dossiers, c'est original. Je ne connaissais pas le ministre de la Justice avant l'actuel. Il est pour l'option définitive en sortant de l'école, soit vers le parquet, soit vers le siège. Alors qu'actuellement, on peut être l'un ou l'autre alternativement pendant toute la carrière. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure au début, quand j'ai parlé. J'étais au parquet pendant toute ma carrière, sauf une seule fois, c'était mon deuxième poste,
où j'étais juge d'instruction, donc j'étais un magistrat du siège. Donc on peut, c'est alors c'est, y en a même qui passent du civil au pénal en étant juge au parquet, etc. Mais voilà. Question de technique, pourrait-il possible de revoir un enregistrement de la conférence? Ça, je ne sais pas. Si, 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 puisque vous avez signé une autorisation. Voilà, il y a quelqu'un qui me dit merci pour votre intervention très enrichissante, mais je vous remercie de m'avoir écouté, c'est très sympa. Ainsi, mon métier a changé ma vision de l'humain, une question posée par une certaine Justine, ça. C'est évidemment, vous imaginez qu'après avoir vu autant de criminels dans ma vie, des tueurs, des violeurs, etc., j'ai quand même une certaine idée. Ça me rassure quand je vois des gens normaux, j'allais dire. Mais ça veut dire aussi que même chez un abominable personnage qui a commis des faits affreux, bah, il peut y avoir toujours quelque chose d'humain quand on parle avec lui, bien sûr. Mais, mais je ne suis pas là pour non plus pour avoir des relations. Je ne suis pas là pour faire dans le relationnel, si vous voulez. Hein, il faut pas que je sois insensible, mais il faut que je sois, faut que j'aie du recul par rapport aux gens. Mais évidemment, c'est sûr que ça m'a changé la vision de l'humain, ça, c'est évident. Quand on voit des gens souffrir, quand on voit des gens qui sont capables de se défendre alors que tous les accablent, qui mentent, etc., bien sûr, c'est une grande vision de l'humain, tout à fait. C'est un métier essentiellement humain. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. C'est voilà, sur une très belle note qu'on s'arrête. Voilà. Je vous remercie d'avoir accepté. Il y a des commentaires qui, enfin, il y a des personnes dans les commentaires qui vous remercient pour votre intervention. C'est très aimable. Merci beaucoup, mais merci aussi à tous de m'avoir écouté. J'aime beaucoup toujours parler avec des étudiants parce que j'ai toujours fait de l'enseignement à côté de. Je vois un nom que je connais, de quelqu'un qui a fait un stage chez moi. Voilà. Voilà, voilà. Allez, au revoir à tous. Bonne soirée. Bon succès à vous, à tous.